Tu traînes seul, tu as le droit au moins d'être loin, d'être triste, de penser à une aïeule, à des aïeux qui venaient enfin d'accomplir leur passage qu'ils ont traîné jusqu'à un âge dont tu as le droit de penser que tu n'aimerais pas traîner jusque-là. Quand tu traînes seul des idées controversées sur ton travail dont on minimise la vraie valeur, quand on légitimise un job normal chez un employeur, pourvu que ça soit un marché à côté de ton labeur, leur vision globale te semble tellement rien. Tu traînes seul, t'es autorisé à être triste de penser à quel chômage on ose attribuer tes ouvrages, alors que pour les leurs, tu ne t'autoriserais pas à présumer d'une facilité, quand bien même payé à l'heure. Ton âme vaut bien une âme salariale dont ils se réclament et qui te semble bon. Un jour, je ne sais pas qui, t'aurais dû être millionnaire plutôt que de gagner une misère. Remarque, l'argent de la société n'est qu'une contrepartie et c'est quand même rétribué. Mais sûr de soi, on te dira que vu que t'aimes ça, que ça ne permet pas d'attribuer cela à du travail. Je traîne seul, mes idées controversées, en dépit d'une majorité, sûre d'elle-même dans sa vérité. Vu que toi t'aimes ta spécialité, ton acharnement pourtant diffusé, alors n'aura pas grâce aux yeux du travail des aïeux. Quand je traîne seul, me dis-je un peu triste que peut-être un artiste n'a pas été pris à son époque au sérieux tout au long de son passage, celui de toute sa vie qu'il a traîné jusqu'à un âge. Je me demande s'il pensait que c'était préférable qu'il continue à traîner jusque-là. Ce qui est sûr, c'est tant que j'ai envie, c'est que je continuerai à traîner jusque-là. Thank you.